Non, on va vous nettoyer un soir. Bon, moi, je suis un petit peu. Ouais. Je peux venir ? Ouais, quand tu mets Vous allez menacer, vous. Vous avez dit, c'est la fameuse caméra qui fait vidéo. Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Il fallait me dire, je trouvais. Non, ça déchire. Je ne rappelle pas, c'est. Non, c'est quelque chose. Après, viens, c'est ça, si. On commande, pas. On a eu tout, on est targué. Dans les coups à la roche, Abinatan, les gens, ils disent des fois que Abinatan, ils répètent. Il est en train de te dire quelque chose, après il répète la même chose, tu vois qu'il répète la même chose. Mais les marseillais, si tu étudies un peu en profondeur, tu vas voir qu'il ne répète pas. C'est-à-dire il fait comme une ronde. C'est-à-dire, comme une ronde, par exemple, il y a trois qui dansent. Après, on rentre un quatrième, il va danser avec eux. Alors maintenant, c'est sûr que les trois qui étaient là-bas, ils restent là-bas toujours, quand ils tournent. Mais le fait que maintenant qu'il y ait un quatrième, ça change la et un cinquième et un sixième. Alors tu vois comme ça que son raisonnement, c'est un raisonnement circulaire. En général, chez les bohèmes, tous les raisonnements, ils ne sont pas circulaires. Tous les raisonnements, ils sont droits en droit. C'est-à-dire que tu raisonnes comme ça. C'est-à-dire que tu amènes quelque chose, après de ça, tu amènes une autre chose. Mais quand tu amènes une autre chose, la chose que tu avais avant, elle est partie. C'est-à-dire que maintenant tu as utilisé quelque chose, de là tu as déduit quelque chose, de là tu as déduit quelque chose, tac, 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 voilà le résultat. Mais maintenant quand tu as le résultat, toutes les autres choses, elles sont parties. C'est-à-dire que c'était des choses qui t'ont servi pour arriver là. Mais là, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi le raisonnement circulaire il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond? Ça veut dire que chaque élément qui est utilisé, lui-même, c'est un résultat en soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas le considérer comme étant quelque chose d'intermédiaire. C'est pas ta faille, c'est pas pour t'amener là-bas qu'après lui tu le laisses. Lui-même, tu peux l'utiliser comme étant le ICA. Et si tu veux, c'est-à-dire nous en France, quand on étudiait BI, on faisait des fois ça dans les torrents de côté Morin. C'est-à-dire tu prends les éléments comme ça, circulaires, et il t'amène 5, 6, 7, 8 éléments. Maintenant lui, il les amène dans un certain ordre. Maintenant, si tu veux, tu prends n'importe quel élément, des six éléments, par exemple, qu'il a amené, tu le sors, et tu dis que c'est celui-là le écart. Et maintenant, tu vas voir que tous les autres, ils vont expliquer celui-là. Maintenant, tu veux, tu prends un autre, tu le sors, et tu vas voir que tous les autres, ils vont... Et chacun, ça devient une Torah différente, un enseignement différent. Et ça, c'est la mala du raisonnement circulaire. Ça, ça n'existe pas chez les goyim. Les goyim, c'est rien de vertical, c'est tout. Tu jettes. Alors, quand tu prends... Maintenant, la chose, elle t'a servi. Est-ce qu'elle t'a servi? C'est tout, tu la jettes, tu n'as plus besoin. Mais dans le raisonnement, comme Rabbi Nachman, il fait dans l'écouté au Moran et Rabbi Nathan, ça se voit beaucoup plus dans l'écouté à la Rome. C'est comme ça, ça tourne. C'est quelque chose de circulaire, ça tourne. Et c'est très, très intéressant d'étudier comme ça, parce que les maassés, quand tu as cerné une notion, tu as bien compris, après, il t'ajoute une autre notion. Et cette autre notion, elle vient amener une autre dimension dans la chose. On a étudié, on est dans la Torah, la Metzahim. Écoutez-moi, on a commencé il y a 2 mois, la Torah, la Metzahim. Alors, dans cette Torah 37, l'écoutez-moi, si vous connaissez, il est traduit, il dit des Torah, Torah, lettre, Torah, la Torah 37. Cette Torah 37, elle parle, Beikar, c'est de révéler Hachem dans le monde. Pourquoi le monde il a été créé? Vous savez pourquoi Hachem il a créé le monde? Pourquoi le monde? Essayez de vous pouvez me répondre chacun, vous avez une idée. Pourquoi il existe? Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pour
pour qu'il peut résider dans le monde. Pour qu'il peut résider. Pour amener de la lumière illimitée. Pour amener de la lumière illimitée dans le monde illimité. Après, je sais pas, pour le faire partenaire dans la vie. Ariel, what's your... Pour faire partenaire dans la vie. What's your aviation? Ariel? Non, je vois ça. No, one is yours, not his. Pour qu'on puisse le servir. Pour qu'on puisse le servir, mon frère. C'est bon. Ouais, c'est une idée. Tu n'as pas d'idée, Bichal? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Pourquoi tu es venu? C'est un tachit. Il faut que tu aies une idée. Il est là, à quoi ça sert la vie? Pourquoi on est là? Prouver qu'il y a un Dieu ou deux. Prouver. Et oui. Lui, il a besoin. Tu prouves qu'il y a un Dieu. Non. Hachem, pourquoi il crée la vie? Hachem, il n'a pas de notion de besoin. Oui, oui, oui. Il n'a pas de besoin de faire ça. S'il n'a pas besoin. Hachem, il n'a pas besoin. Alors pourquoi il a créé un monde? Alors pourquoi il a fait toute cette histoire? Ce qu'il a dans tout. Il met un grand, il met des mots, des trucs, toutes les histoires devant 75 ans. Vous demandez pour qui il a fait le monde ou pourquoi tu fais quelque chose. Tu veux étudier, tu vas acheter une maison, tu vas prendre l'avion, tu as un tarif. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, Hachem, il faut qu'il ait un but. Maintenant, lui, déjà, il a besoin. La notion de besoin chez lui, il n'existe pas. Donc lui, il ne manque rien du tout. Comment c'est possible que le monde existe? C'est pas pour lui qu'il a créé, d'accord? Lui, il n'a pas besoin. Le monde, il existe, il n'existe pas, selon Michel Léo. Donc, comme quelques-uns, ils ont répondu, et puis ils ont raison, Hachem, il a créé le monde pour donner à l'homme la possibilité de connaître, mais pas le connaître dans ce monde, le connaître dans le monde futur. Maintenant, ce monde-là, c'est un monde où Hachem, il est à moitié caché, à moitié révélé. C'est-à-dire, si tu veux dire que Chas v'Shalom, Hachem n'existe pas, tu ne vas pas le voir. Si tu veux dire qu'il existe, et tu vas le chercher, tu vas le trouver. Maintenant, cette recherche-là, elle va avoir des niveaux de conscience de l'existence d'Hachem. Chacun, il a une conscience. Combien Hachem, il existe dans sa vie? Il y a quelqu'un qui va te dire, Hachem, j'ai la Emouna dans Hachem. Oh, Hachem, il m'a aidé, j'ai réussi l'examen. Hachem, il m'a aidé, j'ai une bonne parmassa. Hachem, il m'a aidé, je me suis marié. Hachem, il m'a aidé, j'ai eu des enfants, j'ai une maison. Chacun, il a une conscience d'Hachem. Maintenant, il y a des gens qui ont une conscience d'Hachem, que chaque chose qui se passe, ils voient que c'est la main d'Hachem. Ce n'est pas que des grands tournants où il y a besoin d'aide. Ils disent à Paris, quelqu'un il raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une blague, mais en tout cas il raconte comme ça. Il dit que quelqu'un il cherchait une place pour se garer. Alors il tourne, il voit que tout est plein. Alors il tourne avec sa voiture et à un moment il voit qu'il n'arrive pas. Alors il dit à Hachem, s'il te plaît, donne-moi une place, j'ai un rendez-vous, une place pour me garer. Et au moment où il prie, il y a une place qui se libère. Alors il dit, Hachem, non, ça va, te dérange pas, j'ai trouvé. Ok, ça veut dire que maintenant, d'abord, la brioute. Lui, il prie que quand il a besoin de quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas un lien de prier quand il n'y a pas besoin. Alors ça, c'est déjà quelque chose que Rabbi Nachman, il a amené pour changer complètement l'approche de la conscience de la Emouna. C'est-à-dire, prier, c'est pas que quand il y a besoin de quelque chose. Tu dois prier même quand tu as besoin de rien. Et surtout quand tu as besoin de rien. C'est là où tu dois prier. Parce que les mains, c'est quand tu as besoin de quelque chose, ta prière, c'est une prière de quelqu'un qui est arrivé au bout il a tout essayé, comme on dit. Les gens, ils disent, voilà, quelqu'un, il est malade, Chas v'Shalom, il faut faire des Tehillim. Mais quand ils te disent qu'il faut faire les Tehillim, ça veut dire qu'il est presque terminé. Ils disent pas que quelqu'un doit faire des Tehillim quand quelqu'un il est enrhumé ou quelque chose. Ils disent Tehillim, ça veut dire que maintenant il est dans réanimation, Chas v'Shalom, quelque chose comme ça. Alors Rabbi Nachman a dit, pourquoi vous attendez d'être malade pour faire les Tehillim? Faites les Tehillim quand vous êtes en bonne santé, vous ne tomberez jamais malade.
Parce que toute la raison pourquoi quelqu'un est tombé malade, c'est pour qu'il revienne vers Hachem. La Gemara dit dans Brachot que Chizkiyahu HaMelech, il a caché le Sefer des Refouot. Il existait dans le monde un livre des Refouot. C'est-à-dire un livre, comme il existe le livre des médicaments, il y avait un livre que n'importe quelle maladie, il y avait écrit que tu prends le médicament et tu guéris. C'était un livre que les rois ils avaient et que l'homme Israël utilisait. Tout ce qu'ils avaient, ça n'existait pas des gens qui tombaient malades et qui ne guérissaient pas, parce qu'il y avait ces pères à refouer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au meilleur qu'il a caché? Ganaz, ces pères à refouer. Alors, les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui, ils ont dit qu'il a bien fait. Pourquoi? Il dit parce que les gens, ils priaient plus. Comme ils avaient le livre des refouer, hein, ils allaient regarder la refouer, hein, et ils arrangeaient, et c'est tout. Maintenant, quand Hachem, il rend quelqu'un malade, pour n'importe quel besoin, quelqu'un a un besoin de réussir un examen, il a besoin de se marier, il a besoin d'avoir des enfants, il a besoin de trouver une maison. Tous les besoins, c'est uniquement une invitation à un rendez-vous. C'est-à-dire, Hachem, il veut que tu viennes lui parler. Mais comme tu ne lui parles pas, alors il te bloque à un endroit. Tu comprends? Il te bloque. Maintenant, tu es bloqué, tu essaies de combiner, de sortir par là, par là, par là. Non, ça ne marche pas. Tu vois que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Hachem, aide-moi. Mais si maintenant tu faisais ça, quand tout marche bien, jamais tu aurais des blocages. Tu n'as pas besoin de blocage. Parce que Hachem, il a créé le monde pour te faire du bien. Il n'a pas créé le monde pour t'embêter. Hachem, il doit te faire que du bien sans arrêt, à tort vers métier. Hachem, il te donne, il va te donner encore et encore et encore. Hachem, il veut te donner tout le bien qu'il y a dans le monde. Toute l'intelligence, toute la... Regarde Shlomo HaMelech, Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu veux Shlomo? Il dit, je veux la Chochma. Il dit, pourquoi tu veux la Chochma? Il dit, pour juger ton peuple. Il dit, pour juger mon peuple, c'est pour me servir. Je vais te donner de la Chochma comme personne n'a jamais eu de la Chochma. Je vais te donner une richesse comme personne n'a jamais eu dans le monde. Et dit, Hachem lui a donné, pour chaque juif, Hachem il peut lui donner toute la richesse du monde. Tout ce qu'il y a, c'est ça qu'Hachem il veut. Maintenant, pourquoi Hachem ne nous donne pas ça? Parce que notre tête, elle ne marche pas bien. Et si jamais Hachem nous donne une richesse, alors la plupart des gens, quand ils deviennent riches, ils perdent la tête, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la émouna. L'argent, c'est comme de l'alcool ou c'est comme de la drogue. Quelqu'un qui, d'un coup, gagne 2 milliards de dollars, tu vas voir sa tête, c'est plus la même du tout. Il ne peut plus réfléchir comme avant. Parce que l'argent, c'est une énergie. Cette énergie, il faut pouvoir la gérer dans la Kedusha. Si quelqu'un, Hachem, il sait qu'il va lui donner de l'argent et il va perdre la tête, Hachem, il ne va pas lui faire du mal et lui donner de l'argent. Pour le détruire, Hachem, il ne va pas lui donner. Donc chacun, hein, s'il a des problèmes de parnassa, ou chacun qui n'est pas riche, c'est de lui que ça dépend, ce n'est pas d'Hachem. Hachem, il n'a aucun problème. Ça lui coûte pareil, Hachem. De te donner un morceau de pain ou te donner un milliard de dollars, c'est rien du tout pour toi, c'est la même chose. Seulement, pourquoi Hachem, il fait ça? Parce que Hachem, il veut que tu grandisses dans ta tête. C'est-à-dire que maintenant, ta conscience d'Hachem, il faut qu'elle grandisse. Plus ta conscience d'Hachem, elle va grandir, et plus tu vas pouvoir avoir des récipients pour recevoir de la lumière. Maintenant, le but qu'on est venu dans ce monde, c'est pour découvrir Hachem ici, mais le but, c'est pas ce qu'on va le découvrir ici. Parce que ici, même si on arrive à une connaissance d'Hachem très élevée, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on va le connaître dans le monde futur. Parce qu'ici, c'est limité. Comme il y a de la matière, Hachem ne se révélera jamais de façon ici comme il se révèle dans les mondes supérieurs. Donc ici, Hachem, il te donne la possibilité de choisir. C'est-à-dire de dire oui ou de dire non. À chaque fois que tu choisis, que tu, par exemple, tiens, on t'invite, maintenant tu as le choix, par exemple. Tu as une possibilité de faire des télé-libres ou une possibilité d'aller faire un match de football. Voilà. Maintenant, c'est bien ces deux choses-là. Maintenant, tu choisis, tu dis, maman, je vais aller faire des télé-libres. Chaque fois que tu choisis de servir Hachem, tes récipients, c'est-à-dire ta possibilité de capter l'infini, elle grandit. Et toute ta vie, chaque fois que tu as choisi le derrière Hachem, tes récipients, ils ont grandi. De manière qu'après 120 ans, quand tu arrives de l'autre côté, tu peux te rapprocher d'Hachem d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'une fois que tes récipients, ils ont grandi, ils sont assez larges pour pouvoir intégrer de la lumière infinie, alors tu vas arriver, c'est ça qui va faire le niveau de chacun dans le monde futur. Et que celui qui a... Il y a des gens qui sont dans la Torah, qui font la Torah et les mitzvot, mais ils cherchent pas un contact avec Hachem permanent. Hachem, il veut que tu sois avec lui tout le temps. Hachem, il dit, ils vont faire un mishkan,
C'est-à-dire ils vont faire un endroit de résidence, Beikar, dans leur cœur. Hachem dit que le Mishkan de chacun, il est dans son cœur. Et je vais habiter dans chacun. Hachem, il veut habiter avec toi. Mais les gens, ça ne les intéresse pas trop d'être trop attachés avec Hachem. Les gens, ils disent, Hachem, c'est à la synagogue, et la viande cachère, tout ça, les tefillines, mais à part ça, il faut m'oublier, il faut me laisser tranquille, parce que moi, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie de faire du foot, j'ai envie d'écouter de la musique, des trucs, moi j'ai envie de m'éclater un peu dans ce monde, moi je ne peux pas rester tout le temps dans le truc, c'est pas... Alors les gens, ils ne choisissent pas un engagement avec Hachem permanent. Les gens, ils choisissent... Alors maintenant, il faut savoir que cet engagement-là, c'est lui qui va faire la place de la personne dans le monde futur. C'est écrit dans le Olam Haba, les anges, ils viennent voir le Am Israël, ils leur disent, dites-nous des choses sur Hachem. Alors on demande comment le Am Israël et les anges qui sont toujours devant Hachem, ils demandent au Am Israël de lui expliquer des choses sur Hachem. Mais ils sont toujours là-bas, qu'est-ce qu'ils demandent au Am Israël? Non, le fait que maintenant le Am Israël il est ici, et qu'il a le choix, qu'il peut dire non, ça, les anges, ils n'ont pas ça. Parce que l'ange, il ne peut pas dire non. L'ange, il est obligé, parce que sa conscience, elle ne lui permet pas de dire non. Ça n'existe pas le non, là-bas. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont Regel Echad. C'est pour ça que dans la Lacha, c'est écrit qu'il faut serrer les pieds dans la Amida, comme les anges, c'est-à-dire voilà, comme s'ils ont Regel Echad. Parce qu'ils n'ont pas droite-gauche, ils ont un seul pied, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller que de droit, c'est tout. Mais ils sont limités. Ils sont limités. Leur compréhension, c'est tout, elle est limitée. Nous, le fait qu'on peut dire non et qu'on dit oui, ça agrandit nos récipients. C'est-à-dire, chaque fois, la possibilité de comprendre Hachem, elle agrandit. Alors déjà, dans ce monde, chaque fois que quelqu'un il a eu l'épreuve et qu'il dit « Hachem, non, reviens, moi je vais choisir, moi je vais rester avec toi. Moi je veux pas, moi voilà, on m'a proposé ça et tout, mais moi je veux pas. Moi je veux rester avec toi, c'est tout. Moi je vais faire ce qui est bien d'après ce que je sais que tu attends de moi. » Alors chaque fois qu'il choisit le bien, il fait grandir son récipient. Il va comprendre plus maintenant, ça va lui permettre après d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il aura des épreuves où il va voir des choses encore beaucoup plus grandes, il aura des choix de plus en plus grands. Mais ces choix de plus en plus grands, ça va lui donner après dans le monde futur une possibilité de se rapprocher d'Hachem beaucoup plus grande que n'importe qui dans ce monde. Ça, c'est le but de la création. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Bedin, Demishtamud, Inle, le Zohar dit. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde pour que tu puisses le connaître dans le Olam Haba. Voilà pourquoi il a créé le monde. Et Hachem, il a créé le monde par Chesed. C'est que du Chesed, la création du monde. C'est pas autre chose. La création du monde, c'est que des Chassadim. Il n'y a aucune rigueur chez Hachem. Toute la rigueur, c'est la machine qu'il a mis en place. Parce que s'il n'y avait pas une machine, dès qu'on ne ferait pas le Ratzon Hachem, on n'existerait plus. Mais Hachem, il a mis une machine avec des astres. Il y a des astres, il y a des malachim, il y a des kohotes, il y a 24 tribunaux, il y a beaucoup de choses qui gèrent le monde. Mais tous ces systèmes de gestion, ils sont pour les gens qui ne sont pas avec Hachem. Mais les gens qui parlent avec Hachem tout le temps, tout le temps. Maintenant, il n'y a pas besoin de parler rien qu'avec Hachem quand il y a besoin de quelque chose. Tu peux parler avec Hachem quand tu as besoin de rien. Tu peux parler avec Hachem pour vous dire merci. Mon dernier, il est pas matin, je me suis levé ce matin. Bah, oh Hachem, merci mon Dieu. Voilà, je peux marcher, je peux aller. Oh Hachem, j'ai ça, j'ai des moyens. Je peux faire des études. Il y a des gens, ils n'ont pas de tête, ils ne peuvent pas s'asseoir 5 minutes. Oh Hachem, je peux, j'ai réussi ça, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu peux parler avec Hachem un peu pour le remercier. Tu n'es pas obligé de demander d'être. C'est pas comme une machine à un distributeur, Hachem. Quand il y a besoin, tu viens tirer, c'est tout. Et jamais tu dis merci. Alors David Ameler, lui, toujours il disait merci à Hachem. Même quand son fils, il voulait le tuer, quand Avshalom, il voulait tuer David Ameler, alors Hachem, il a remercié Hachem. Il a dit, je te remercie, tu as choisi mon fils pour me tuer. Parce que mon fils, mais ça va, il va être moins cruel que quelqu'un d'autre quand il va me tuer. Parce que c'est mon fils, il a un amour quand même. Donc il sera moins cruel. David Ameler, Hachem, il lui demandait, qu'est-ce que tu veux, David? Il dit, moi, je veux rien du tout. Moi, je veux rien. Il dit, mais toi, tu n'as pas besoin de quelque chose. Je veux rien. Je veux rien. Si quelqu'un... Il faut savoir que tous les restaurants, tous les manques que quelqu'un a dans sa vie, c'est rien parce qu'il ne dit pas merci à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Si quelqu'un disait merci à Kadosh Baruch Hu, jamais il lui manquerait quoi que ce soit. C'est écrit dans la Halakha que Arba Tzrichim Leodot. Il y a quatre personnes qui doivent faire le gomel.
Sûrement, voilà, vous êtes venus, faites-les le gomel, parce que vous allez voyager au-dessus d'un océan, il faut faire le gomel. Alors, la halakha, elle dit, voilà, celui qui est sorti de prison, celui qui est sorti du désert, celui qui était malade, et celui qui a traversé la mer. Ces quatre gens-là, ils doivent remercier Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par une sakana. Et comme ils sont sortis indemnes, alors ils viennent et ils font la bracha de la gomelacha yom tovot, c'est-à-dire yom tovot. Alors Rabbi Nathan nous dit comme ça, il nous dit que maintenant, si tu es passé par ces situations, la maladie, la prison, le désert, les trucs, et ça inclut toutes les tsarot du Ham Israël. Parce que Rabbi Nathan là-bas, il te développe chaque chose. Qu'est-ce que c'est la prison quand quelqu'un est dans l'obscurité dans sa tête, qu'il n'a pas étudié, il n'a pas appris, il n'a pas envie de mettre les tuiles, il voit rien, il n'a pas envie. Chaque chose, il la développe là-bas, il t'explique qu'est-ce que c'est le désert, qu'est-ce que c'est la mer. Chaque chose, il t'explique ce que c'est. Il dit, hein? Rabbi Nathan, dans l'écouter à la chôte, dans l'écouter à la chôte, maintenant, il te dit, tu sais pourquoi tu es passé par là? Sauf, qu'est-ce que tu fais à la fin de tout ça? Tu dis, merci mon Dieu que tu m'as sauvé. Rabbi Nathan te dit merci mon Dieu avant, tu ne passeras pas par ça. Tout ce que Hachem te fait passer, c'est pour te sortir un merci. Tu dis, ah, maintenant tu t'as vu, maintenant tu me dis merci. Tu t'es rendu malade, je t'ai guéri, maintenant tu viens, tu me dis merci. Okay. Pourquoi tu ne me dis pas merci tout le temps? Tu ne seras jamais malade. Tu ne manqueras jamais de parmesan. Tu n'auras jamais de problème. Apprends-toi à me dire merci tout le temps. Apprends-toi. Mais maintenant, comme nous, on vit dans dans une clipa de Essam, c'est-à-dire on est dans le galop de Essam, à ça, Essam ne dit jamais merci. Parce que Essam, tout son ignan, c'est rien que de prendre. Il prend, il vole. Essam, qu'est-ce que c'est? Il vole. Essam, c'est USA, c'est Essam, d'accord? C'est ça, c'est. On dit Uncle Sam, c'est Uncle Sam Mechmem, c'est ça, Uncle Sam. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. C'est les plus grands voleurs du monde. Ils écoutent toutes les trucs. Ils ont des milliers de gens pour écouter les trucs, pour voler les marchés là. Et quand ils vont aider un pays, ils n'aident personne. Ils vont aider pour prendre le pétrole. Il n'y a pas aidé. Ils peuvent mourir là-bas en Syrie. 300 000, ils peuvent tous mourir. Mais il n'y a rien à prendre, ils ne vont pas. Lui, il va s'il doit prendre quelque chose. Et au contraire, il attend que quelqu'un soit faible pour venir et lui dire « Bon, viens, je vais t'aider et tout. » Il vole tout ce qu'il a et il le laisse après et crever là-bas. Mais il n'a pas besoin de lui. Bichlal, il n'est pas intéressé par le chesed. Alors, c'est sûr que dans cette galoute-là, on voit que les gens, c'est que du profit. Les gens, ils cherchent le profit, c'est-à-dire à profiter des situations. Chacun, il essaie de profiter. Comment on va profiter? Pourquoi nous, par exemple, le ribit, c'est à sous? Pourquoi de prêter avec intérêt un juif, on n'a pas le droit? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un moment difficile qu'un juif a. C'est un moment, il a un moment difficile dans sa vie. Alors on l'aide, on lui prête de l'argent, mais on ne va pas profiter du fait qu'il a un problème. Ça reste du shalom, c'est un sourd. Quelqu'un, il a un problème, tu lui prêtes pour l'aider à se remonter. Mais si tu lui dis, viens, je te prête, tu lui dis, mais ça coûte 20%, alors ça veut dire que tu es content qu'il ait ça. Parce que toi, ça va te rapporter 20%. Mais ça, c'est un sourd, c'est quelque chose de très très grave. Ici, une fois, il y avait un massé à Yerushalayim, ici, qu'ils ont voulu enterrer quelqu'un. Et quand ils ont creusé pour enterrer, ils ont vu que l'endroit de la tombe, il y avait des rats. Quand ils creusaient, il y avait des rats. Alors, ils ont creusé dans un autre endroit. Ils ont été dans un autre endroit, ils ont trouvé qu'il y avait des rats aussi. Et ils ont encore dans un troisième endroit, et ils ont trouvé des rats. Et ils ont demandé aux bédines, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Beddin, il s'est renseigné sur la personne, et il leur a dit, enterrez-le là où vous voulez. C'était quelqu'un qui prêtait avec intérêt, et les rats, ils l'attendent là-bas. N'importe où vous le mettrez, ça ne change rien, les rats, ils vont venir s'occuper de lui. Parce que c'est quelqu'un qui cherchait le profit, profiter. Ah, quelqu'un qui a un problème, mais bien sûr, viens, je vais t'aider. Je suis ton ami, hein? Un grand ami maintenant. Tout d'un coup, ça devient son ami. Voilà, avant il était... Comme j'ai un ami, une fois, sa femme, elle attendait un bébé, ils ont été au restaurant. Alors, quand ils ont mangé, après, le restaurateur lui dit, ah, madame, elle attend un bébé, et tout, c'est bien, j'ai quelque chose de bien pour elle. Alors, lui a mis un fromage, lui a mis des trucs, il a mis que des trucs qui coûtaient très, très cher. Alors, après, à la fin, il a eu l'addition, ça coûtait, il a dit, mais moi, il dit, non, mais vous avez commandé. Donc,
Alors lui, soi-disant, il venait pour dire, voilà, votre femme, elle est enceinte, elle a besoin de force et tout, pour lui proposer quelque chose, soi-disant, parce qu'il voulait les aider, mais c'est lui, il voulait vendre quelque chose de cher, c'est tout, pour gagner sa vie. Alors maintenant, ce monde-là, comme il est aujourd'hui, la clipa dans laquelle on est, c'est la clipa du profit. Maintenant, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette clipa de profit. Parce que nous, on n'est pas là pour le profit, on n'est pas là dans ce monde pour le profit. Et si tu t'habitues à remercier Hachem sur ce que tu as, Hachem, il va te donner mille fois ce que tu as. Et si tu ne remercies pas Hachem, Hachem, il va t'amène dans une situation de blocage. Et quand tu es dans cette situation de blocage, tu commences à appeler Hachem, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Alors Hachem, il te dit, pourquoi tu m'as pas donné, pourquoi tu ne pries pas avant, pourquoi tu attends maintenant d'être bloqué? Pourquoi quand ça va bien, tu n'es pas comme ça avec moi? C'est dommage. De connaître Hachem comme quelqu'un qui résout les problèmes, c'est tout. Mais les problèmes, ils viennent d'Hachem. Tu crois que le problème que tu as, ce n'est pas Hachem qui te fait? Tous les problèmes, ils viennent d'Hachem. Tous les problèmes qu'on a ici, nous aussi, avec tous les gens autour de nous, c'est Hachem qui nous fait ça. C'est pas, c'est, il n'y a personne qui peut nous embêter dans le monde. C'est Hachem qui... Et quand on est rentré en Eretz Israël, quand on est venu avec Yeshua, tous les peuples, Hachem, il les a liquidés. Après, on n'a pas fait de guerre. Et quand on a fait la guerre, on a fait semblant de faire la guerre. Mais jamais quelqu'un n'a vraiment fait la guerre. C'était des guerres, des simulations, c'est des guerres virtuelles. Ce n'est pas des vraies guerres. La guerre, elle était terminée avant de commencer déjà. Hachem, il a dit, vas-y, je l'ai déjà liquidé. Alors les gens, ils allaient, des fois, ils arrivaient même, les gens, ils étaient tous morts déjà. Il y avait eu Hachem, il envoyait un roi qui tuait tous les gens avant qu'ils arrivent. Il n'y a pas besoin de se battre. Tout ce qu'on a besoin de se battre, c'est parce qu'on se bat contre qui? On se bat contre qui? Parce que tu crois que ces gens-là, ce n'est pas Hachem qui les envoie. Ils ont quand même fait une guerre. Hein? Ils ont quand même fait une guerre physique. Ils ont fait une guerre, mais c'était des guerres qui étaient gagnées d'avance. Ça n'existait pas qu'ils perdaient une guerre. Tu comprends? Même quand ils faisaient une guerre, jamais, ils allaient avec les tuiles et tout, c'était des guerres de simulation, c'était pas des vraies guerres. Comme tu dis, on sait pas ce qu'il va y avoir, c'était connu déjà. Avant qu'ils aillent, ils allaient gagner. Et quand Hachem il a dit n'allez pas, ils ont voulu, alors ils ont fait un dérachaté, ça. Oui, parce qu'il fallait, mais Hachem en haut, il a dit, chaque pays, chaque peuple, il a un ange en haut qui le dirige. Comme si tu prends un pays, il a un président en haut, il a un ange qui dirige tout le pays. Quand Hachem il fait descendre l'ange, il le fait tomber, tout le pays tombe. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Mais c'est en haut, tout ça se passe en haut, c'est pas ici. C'est comme des marionnettes, tout, c'est en haut que ça se passe. Alors nous on est dans une terre qu'Hachem nous a donnée. Bon, Hachem c'est une terre de Kedusha, c'est une terre où il y a une présence d'Hachem très très forte. Et ça demande une attitude. De lien avec Hachem, c'est-à-dire on est obligé de se lier avec lui tout le temps. Si on ne se lie pas avec lui tout le temps, alors il y a des rappels comme ça à l'ordre qui ne sont pas très agréables. Ce n'est pas toujours agréable. La même chose au niveau individuel, aussi au niveau de tout le pays ici. Maintenant, vous voyez, il y a eu des centaines de trucs, et ils envoient des missiles, des trucs, et pour Hachem, il y a des missiles, que ça tombe toujours à côté, etc. Mais il ne faut pas croire que parce que ça tombe à côté, ça ne fait rien du tout. Il y a des gens, ils sont malades, mamages de ça. Les gens qui habitent dans des endroits où ça tombe sans arrêt, les gens, ils sont tombés malades après. Tu vois, des gens, ils vont à l'hôpital, ils sont malades. Combien quelqu'un il peut supporter ça? Chaque jour, il y a 10 fois par jour, 20 fois, il ne sait pas s'il va vivre ou pas. C'est des pressions terribles dans le Benanam. C'est pas qu'il est tombé à côté. Mais tu vois qu'il n'a pas tué quelqu'un physiquement, mais des gens, ça les rend malades. Et tous, ils construisent des abris quand ils peuvent à côté de chez eux, parce qu'ils ont peur. C'est quelque chose qui est à la race insupportable. Mais tout ça, ça vient parce qu'on est dans une terre où cette terre-là, on ne peut pas oublier Hachem. À aucun moment, on peut oublier Hachem. Parce que c'est une terre où Ene Hachem, le Kechaba, les yeux d'Hachem, ils sont dessus sans arrêt. D'un côté, ça demande une responsabilité, mais d'un autre côté, c'est des cours accélérés. C'est-à-dire, quand tu vis en Eretz Israël, c'est comme si tu avais dit 100 ans ou 200 ans en cela. Parce que c'est accéléré. C'est-à-dire, tu apprends tout en système accéléré. C'est-à-dire que maintenant, tu vas vivre dans une telle conscience. Ça, tu ne peux pas le sentir quand tu viens en touriste. Parce que quand tu viens en touriste, il ne se passe pas les choses qui se passent quand tu vis ici. Chesed d'Abraham, Chesed d'Abraham Asula, le grand-père du Chida,
Il a écrit un sefer qui s'appelle Chesed Lavon. Il dit là-bas que quand tu viens habiter en Eretz Israël, la première nuit où tu dors, on te change ta neshama. On te donne une autre neshama. Parce que quand tu viens vivre en Israël... Habiter ou juste visiter? Habiter ou juste visiter? Non, visiter. Tu sais, t'es touriste, c'est des bâtiments. Tu gardes ta neshama de touriste? Hein? Non, je peux pas. Tu viens pour visiter. C'est Meraguel, c'est tout. C'est pas, tu viens pour voir ce qui se passe. Mais s'il te fait sentir ça, tu vas rester là, tu pars plus. Mais cette neshama, chez lui, te donne comme une neshama de Shabbat, c'est-à-dire, il t'augmente, il te donne un surplus de neshama. C'est un surplus de neshama, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ta sensibilité à la Elokout, à Hachem. Ça va te rendre plus sensible. Et tu vas voir que ici, c'est un pays où il n'y a pas de teva, mais bichlal, c'est-à-dire, c'est un pays où il n'y a rien. C'est-à-dire que tu peux aller, par exemple, tu peux aller, ça, c'est n'importe qui ici te dira. Tu vas dans un bureau, tu demandes un papier. Et tu vois quelqu'un. Et tu dis, voilà, je veux ce papier, et regarde, dis, non, ça, tu ne peux pas avoir. Tu n'as pas le droit à ce papier, ce truc-là, parce que ça, et ça, et ça. Tu pars. Tu attends qu'il change la secrétaire. Tu reviens, tu dis, voilà, je viens ce papier, bien sûr, attention, je ne vais pas le truc qui te fait. Alors, mais attends, mais j'ai le droit, je parle. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de tableau, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de truc comme ça. Ici, tout est possible. Il n'y a rien qui est fermé. Il n'y a pas de Teva ici. C'est pas un truc de Teva. C'est pas Teva, parce que c'est un autre niveau complètement. C'est comme si tu trouves une université dans le monde, et tu dis, voilà, nous c'est une université, vous venez ici, combien d'années d'études il faut pour un diplôme? 5 ans. Vous venez ici, en 3 mois, on vous donne le diplôme. Mais c'est 3 mois. C'est pas 3 mois, vous n'allez pas rigoler. C'est 3 mois. Mais vous avez après du temps libre. Vous avez fait 3 mois, vous allez travailler 3 mois, après ça y est, vous passez directement. Ici, c'est un pays où la conscience, elle est très très élevée. Quand tu viens habiter ici, ta conscience, elle s'élève, elle monte. Et cette augmentation de la conscience, elle te donne une perception d'Abdoucha partout. C'est-à-dire tu sens une responsabilité, Béka, une responsabilité du contact avec Hachem. Ce qu'Hachem, il veut, c'est que tu parles avec lui. C'est ça, le Béka. Plus que toutes les mitzvot que tu fais, Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu parles avec lui. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, ça veut dire que tu l'honores. Quand tu ne parles pas avec quelqu'un, ça veut dire que tu ne l'honores pas, même si tu lui fais ce qu'il te dit de faire. Il y a des gens qui... des fois, tes parents, voilà, ils vont te dire, bon, allez, va sors les poubelles, fais ça, balaye, truc, écoute, tu vas le faire. Mais t'asseoir parler avec eux, tu ne vas pas t'asseoir parler avec eux, parce que tu as tes copains, tes trucs, tu n'as pas envie de parler avec tes parents. Mais les parents, eux, ils veulent qu'on parle avec eux. Parce que le kavod, le kibbout d'Abraham, c'est de parler avec eux, c'est ça le kibbout d'Abraham. Quand tu viens, tu t'assois, tu parles un moment avec eux, même qu'ils vont te raconter des bêtises. Pour toi, c'est des bêtises maintenant, ce qu'ils vont te raconter. Ça ne fait rien. Tu passes un moment avec eux, tu les remercies sur ce qu'ils font pour toi et tout. Tu dis, maman, c'est extraordinaire, je vois, j'ai des copains, ils ont rien, leurs parents ne leur donnent rien, vous m'achetez ça, vous faites ça. Ça, c'est un cavote que tu fais à tes parents. Maintenant, chien, quand tu parles avec lui, tu es méchabed autour. Maintenant, quand même si tu fais les mitzvot, même si tu mets les tefillin, même si tu fais ce que tu fais, si tu ne prends pas le temps de parler avec Hachem, ça veut dire que tu ne le reconnais pas, Béhémet. C'est-à-dire que tu reconnais qu'il a mis des lois dans le monde pour les juifs, que maintenant le peuple juif il a une forme de vie où il doit faire Shabbat, il doit mettre les tefillin, etc. Mais ce n'est pas une reconnaissance où tu cherches un lien un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que comme quelqu'un arabe il a dit, il dit, moi, je ne veux pas être Yotze, moi, je veux être Nirnas. Je ne veux pas être Yotze. Allez, on me dit, voilà, tu fais ça, tu es Yotze. Il dit, mais moi, je ne veux pas être Yotze. Yotze, ça veut dire sortir. Hein? Il dit, moi, je ne veux pas être sortir, moi, je veux être rentrer. Moi, dis-moi comment on rentre. Alors, Rabbi Nachman nous dit, comment tu rentres? C'est avec le Dibou. Quand tu parles avec ta chère, tu t'habitues à parler avec lui. Tu lui racontes, même si tu n'as rien à demander, même si tu n'as pas des choses à remercier, rien, tu parles avec lui. Chaque jour, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Chaque jour, la vie, elle est nouvelle. Donc, il y a des choses qui se passent. Ces choses-là, tu lui racontes, c'est tout. Tu prends un moment pour parler avec lui. Quand tu vas parler avec lui, tu vas faire un lien. Le lien, il se fait avec le dibour. Quand tu vas parler, tu vas créer un lien. Ce lien-là, il va être après, il va commencer à être permanent. Et après, tu vas voir que tu ne vas pas avoir besoin de faire des efforts. Que les choses, elles vont se faire automatiquement. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Maintenant, quelqu'un, il dit, ouais, c'est dur pour moi d'étudier, c'est dur de prier, c'est dur de faire cette mitzvah, c'est dur de faire ça, etc. Il sent qu'il a une difficulté à être mekayem les mitzvot. Mais toute cette difficulté qu'il a,
c'est qu'il n'y a pas de lien avec Hachem. S'il y avait un lien avec Hachem, tout serait facile, tout devient facile. C'est-à-dire que quand il y a maintenant de la Ahava, tout devient facile. Quand maintenant c'est quelque chose qui est sans Ahava, alors c'est dur, parce qu'on est là. Les Maasé, on prend ça comme un hall, c'est comme le premier matin de Torah. Hachem, il nous a obligés à accepter la Torah. Mais à Purim, c'est un jour où on a été mekabel la Torah, mais à Ahava, c'est-à-dire que maintenant, on aime Hachem. Et le lien qu'on a avec lui, c'est pas un lien où on va regarder de faire ça ou de faire ça. On va pas commencer à faire des comptes. Quand tu aimes quelqu'un, tu commences pas à faire des comptes. Ouais, toi tu as pris ça, moi j'ai pas pris ça, moi j'ai truc. Ça y est, c'est autre chose, on passe dans autre chose complètement. Et ce lien-là, il se fait avec le dibou. Le keli du kesher, c'est le dibou. Que ce soit avec les gens, que ce soit avec Hachem, que ce soit avec n'importe qui. Le keli, le moyen qu'Hachem il a donné de faire un kesher, c'est le dibou. C'est pour ça que l'homme, dans la Torah, on n'appelle pas l'homme, on appelle Medaber. C'est-à-dire on ne dit pas qu'il y a l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. On dit Medaber, Chai et Tsomeach et nous-mêmes. On dit Medaber, parce que quand on parle d'un homme dans la Torah, on dit un parlant. Mais maintenant, il faut savoir que parlant, tu me dis si vous devez partir. On fait un quart d'heure. Et après, je vous laisserai si vous avez des questions, des choses, parce que je vous dis que ça un peu. Il faut savoir que le dibour, comme il est employé dans le monde, c'est pas un dibour. Tu entends tous les gens qui parlent, c'est pas des dibours. C'est pas de ça la parole. Ce que la Torah elle a dit, mais d'abord, c'est pas ce que tu entends les gens parler. La plupart des gens, les maasés, ils sont muets. C'est pas des paroles qu'ils utilisent. C'est écrit pour Esav. On dit Kol Kol Yaakov Yadai Yedei Esav. D'accord. Mais on dit que Esav, il était Saïd Lepiv. C'était un chasseur avec sa bouche. C'est-à-dire qu'il utilisait la bouche pour chasser. C'est-à-dire qu'il utilisait la bouche pour attraper. C'est-à-dire que sa parole, c'était pour prendre des choses. Ce n'était pas le col de Yaakov. Alors, le col de Yaakov, c'est le dibour dont la Torah elle parle. Et le dibour d'un juif, c'est le dibour de sa neshama. C'est ça le dibour. C'est-à-dire que quand est-ce que tu commences à parler, le jour où tu laisses ton âme s'exprimer, c'est ça ce qui s'appelle parler. Et Nafshi Yatsa Bedabero, c'est écrit, mon âme, elle sort dans la parole. C'est-à-dire quand tu commences à laisser ton âme s'exprimer, c'est là où tu vas commencer à parler. Tout ce qui est avant, ce n'est pas des paroles. C'est comme des mains, ce n'est pas des paroles. C'est juste un moyen de communiquer dans le monde par rapport à des besoins. Mais la parole, quand on parle de parole, c'est la parole de l'âme. C'est pour ça que maintenant, on est dans la Torah, il y a beaucoup de choses où on doit faire attention. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est basé sur la Torah, le Rizal, dans le Torah. Si vous voulez avoir les textes, vous pouvez les prendre sur le site breslev.fr. Vous avez les textes, il y a la Torah, elle est traduite en français aussi. Et tout ce que je vous dis là, c'est là-bas. Maintenant, il y a plusieurs éléments qui vont être des choses très importantes dans le judaïsme, notamment l'éducation, c'est-à-dire quand on est petit et quand on a un bon mélamed, quand on est petit, quelqu'un qui nous apprend surtout la lettre bête, comment c'est important. Les gens croient qu'il faut prendre un bon rav pour étudier la Gemara, mais le bon rav qu'il faut, c'est pour apprendre la lettre bête, c'est ça le cas. Parce que si tu as un bon rav pour apprendre la lettre bête, tout le reste après, c'est rien du tout. Parce que celui qui t'apprend la lettre bête, il va t'apprendre la lettre bête, mais il va t'apprendre à parler avec ta neshama. C'est pas dans ton sechel qu'il va t'apprendre. Parce que le sechel, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire la machine qu'on a ici, c'est du corps, c'est pas de la spiritualité. Ce qui s'appelle la spiritualité, c'est l'esprit. L'esprit, c'est pas le cerveau. L'esprit, c'est l'expression de la neshama. C'est pas du cerveau. C'est-à-dire que maintenant, avec ta neshama, tu peux comprendre tout. Tu n'as aucune limite. Ta neshama peut donner des compréhensions à tout. Mais seulement si maintenant tu magbires, tu fais que ton cerveau il domine ta neshama, alors ton cerveau c'est que des émanations du corps. Tout ce que tu as dans le monde, toutes les sciences, toutes les philosophies que tu as dans le monde, c'est que des émanations du corps, c'est pas l'émanation de la neshama. La neshama, elle voit tout. Elle voit ce qu'il y a en haut, elle voit ce qu'il y a en bas, elle comprend tout. Et si tu la laisses parler, elle peut te dire tout ce que tu as besoin de comprendre. Seulement il faut que tu commences à faire... D'abord à savoir que tu es une neshama. Mais là, tu ne sais même pas où elle est. Tu dis, où est-ce qu'elle est, ma neshama?
Oui. Mais tout ton corps, il vit avec ta neshama. Tu enlèves le neshama, le corps il tombe par terre, c'est un morceau de viande, il n'y a rien du tout dans le corps. Tout ce qui bouge dans ton corps, tu vois, tu entends, tu vis, ton cœur il va, c'est la neshama qui fait ça. Maintenant, où elle est cette neshama? Elle est en toi. Si cette neshama n'était pas en toi, tu ne serais pas vivant. Maintenant, il faut que tu commences à faire un kécher avec cette neshama. Comment tu vas faire un kécher? C'est quand tu vas commencer à utiliser ton dibour dans la tfila. Tu vas commencer à parler avec Hachem. Dès que tu vas commencer à parler avec Hachem, ce qui va sortir de toi, c'est du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, c'est ta neshama qui va parler. Tu vas voir que quand tu commences à parler avec Hachem, à des moments, tu vas avoir des paroles qui vont venir. Et tu vas voir que ces paroles-là, c'est une inspiration. Ce n'est pas une parole de ta tête. Ce n'est pas quelque chose que tu as pensé. C'est quelque chose qui vient, comme des fois, tu dis des choses. Et ça ne vient pas de toi. Moi, je me rappelle ma mère, Alain Shalom, quand j'avais 7 ans. Alors, j'ai un petit frère qui est... Ma mère, elle a eu un petit garçon. Moi, j'avais 7 ans. Alors... Après, on a été avec mon père, on s'est rendu à la clinique pour la chercher, pour la ramener à la maison. Alors je ne sais pas si mon père il parlait avec ma mère. Ma mère, elle disait ça. Et je crois que mon père disait, bon, on va passer chez le fleuriste, je vais t'acheter un bouquet. Une douzaine de roses. Alors, moi j'étais derrière et quand j'ai entendu ça, alors j'ai dit, non papa, 11 ça suffit. Alors on me dit, pourquoi? Je dis, parce que la douzième c'est maman, c'est la douzième rose. Alors ma mère s'est retournée, elle m'a regardé comme ça, et elle pleurait, elle était... Mais moi aussi je ne me suis pas rendu compte, c'est pas quelque chose que je pouvais réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir une chose comme ça, tu n'as pas le temps de réfléchir une chose comme ça. À 7 ans. Tu ne peux pas commencer à calculer pour sortir quelque chose comme ça de ta bouche, je sais pas. Mais de ton cœur, tu peux sortir des choses que ton cerveau lui-même, il n'a pas la capacité d'imaginer une chose pareille. Alors maintenant, dans la vie, il y a deux possibilités. Ou tu tournes avec ton cerveau, et ton cerveau, c'est une toute petite machine. C'est une machine qui est limitée à ton corps, c'est tout. Parce que le cerveau, c'est juste le comptable de ton corps, c'est tout, c'est un gestionnaire de ton corps. Mais le cerveau, il est très très limité. Tandis que ta neshama, si tu commences à établir un contact avec ta neshama, elle va t'amener des idées, elle va t'amener des paroles, elle va t'amener des compréhensions qui sont au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et ça, c'est pour ça que tu vois l'homme Israël, toujours, il trouve des choses, ils sont matzliards dans tout. Parce que c'est la neshama qui fait ça. Et en Eretz Israël, c'est une terre où il y a une kdusha. Cette kdusha-là, on dit que la Chokhma qui est en Eretz Israël, qui est d'Eretz Israël, est du Markim. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle rend intelligent. Pourquoi elle rend intelligent? Qu'est-ce qu'il y a dans cette terre qui rend intelligent? Parce qu'en Eretz Israël, le fait qu'il y ait une présence divine qui est effective par rapport à ce qu'il y a dans le monde, ça mène un Ruach HaKodesh. Il y a un Ruach HaKodesh. Que ce Ruach-là, il donne une forme d'intelligence qu'il n'y a nulle part. Parce que c'est l'expression de l'âme. Et les gens ici, ils jouent tous avec les deux. En même temps, ils jouent avec le cerveau lui-même, c'est-à-dire Goufani, et en même temps, ils jouent avec l'expression de l'âme. Et les gens, ils avancent avec ça. C'est pour ça qu'ils arrivent à découvrir des fois des gens, des choses. Ils disent, mais comment un petit pays comme ça, il a plus il a des ingénieurs comme les États-Unis. Attends, les États-Unis, il y a 200 millions, je sais pas, d'habitants, ou 220. Et si on est 7 millions ou 8 millions, comment c'est possible? 300 millions. Hein? 325 millions. Quoi, aux États-Unis? Alors, 300 millions, si on est... Est-ce qu'on sait? Même pas une petite ville. On est une petite ville des États-Unis. Et ici, on a des besoins en ingénieurs comme les États-Unis. Non. C'est-à-dire qu'il y a une chokhma ici qui est extraordinaire. Ça, c'est même dans la chokhma de la high-tech, du rôle, dans tout. Mais si tu rentres dans chokhma de la Torah, c'est encore 10 fois plus. Tu vois, les chachamim dans la Torah ici, c'est des gens qui ont des niveaux extraordinaires. Même un rab de Khutzlarès qui connaît toute la Torah à côté d'un rab ici, ça n'a rien à voir. Parce que ici, il y a une intensité. Chaque chose, elle est intense parce que la Neshama, elle s'exprime facilement. Alors, quand on présente Hachem, vous allez vous marier, avoir des enfants et tout, il faut faire attention, les enfants, il faut les protéger. Pour protéger, parce que les enfants, ils ont un souffle divin
de Khatrila en eux. Ils ont un Ruach HaKodesh, comme c'est écrit que Ena Olam Mitkayem, la Lehevel Piem Shutino Kotche Bedrabam, tout le monde, il ne tient que sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Parce que ce souffle, il est pur. Maintenant, tout le travail des parents, c'est de ne pas abîmer ce souffle-là. Si maintenant ils peuvent le développer, c'est bien, c'est sûr, c'est extraordinaire, mais au moins pas l'abîmer. Les gens croient, ils amènent des petits-enfants, ils disent « Non, mais c'est un bébé, il met la télévision, mais c'est un bébé, il ne comprend rien. » Mais c'est, au contraire, c'est là où il comprend, c'est là où tu vas le détruire le plus. Si tu attends, tu le protèges jusqu'à l'âge de 10 ans ou jusqu'à sa bar mitzvah. Après, même s'ils voient la télé, c'est rien du tout pour lui, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a une force intérieure, il a un ruach en lui, qui fait que n'importe quoi dans le monde, c'est rien du tout pour lui, c'est fini, il a dépassé tout ça. Tandis que si, Chas v'Shalom, tu l'empoisonnes depuis que c'est un bébé, mais après tu fais un monstre quand il grandit, qu'est-ce qu'il va faire? Il est déjà mangé par la Touba. Alors Hachem, il nous dit de faire attention aux enfants, de les protéger, parce que tout le Olam, il est au maître sur eux. C'est-à-dire Hachem, il maintient le monde à cause de ce voir à cause de Hachem. Alors Rebbe Nachman, il parle là-bas de ça. Il parle aussi du lien de la Shrita, les Shuchatim. Il dit que les gens, les Shuchatim, quand ils font la Shrita, les Massés, ils font passer. Il y a une âme qui se trouve dans l'animal. Et cette âme, elle est mégougelette, elle est réincarnée dans l'animal. Maintenant, elle doit monter vers le Dibour, elle doit monter vers l'humain. Donc quand le Shuchat, il fait la Shrita, les Massés, il élève l'âme qui était dans l'animal. Maintenant, elle va passer dans le Dibour. Mais si le Shuchat, il n'est pas comme il faut, s'il ne fait pas bien la bracha, s'il n'est pas, c'est pas quelqu'un de correct, alors il empêche cette âme-là. Rabbi nous dit, c'est un assassin, dommage. Il dit, c'est un assassin, il empêche cette âme-là, que cette âme-là, elle a attendu tellement pour pouvoir sortir de l'animal et remonter vers la parole, et au moment où il vient couper, non seulement il ne la libère pas, mais il a fait qu'elle va rester là-bas condamnée dans cette viande-là. Et il entraîne aussi que quand les gens ils vont manger cette viande-là, ils vont manger de la viande d'animal. Alors que si maintenant le Shochet il est à Goum, il va manger de la viande de Medaber, pas de BMA. C'est-à-dire que quand il va manger de la viande, ça va lui donner du koar dans son effet, dans sa neshama. Tandis que si maintenant il mange de la viande, que apparemment elle est cachère, elle a un tampon, c'est écrit en hébreu, tout ce que tu veux. Mais si le Shochet il n'est pas comme il faut, la viande, elle fait tomber la personne dans de la BMIUT. Alors ça aussi, il faut faire attention à la cacheroute, parce que les gens ils disent. Ah, ça va, c'est cher, c'est cacher, vous êtes trop compliqué, vous êtes des extrémistes, des fanatiques, vous prenez des trucs, etc. Mais ce n'est pas du tout de l'extrémisme. Si tu savais ce qui se passe quand tu manges de la viande, tu ferais attention plus que si tu manges, que tu fais attention à du poison, parce que ma mâche, c'est quelque chose qui fait tomber la personne. Au lieu de l'élever, que la personne après a envie de communiquer avec la chaîne, de communiquer autour d'elle, qu'elle a confiance en elle, qu'elle a quelque chose de parlant en elle, tu la fais tomber dans la bénioute, que la personne a envie d'aller que prendre dans ce monde, comme une BMA, elle a envie de consommer. Alors ça, c'est des éléments que Rabbi Nachman il amène là-bas, et il amène aussi le lien du ta'anit, que le ta'anit, c'est quelque chose qui m'a crié à le koach hagouf, et qui donne qui libère la neshama. C'est-à-dire quand il y a un ta'anit, on jeûne, alors on affaiblit le corps et on donne à la neshama la possibilité de s'exprimer. Maintenant les chachamim disent que guéra de ta'anit à tzedkata. Elle dit que le salaire du ta'anit, c'est la tzedaka. Alors dans le chat, ça veut dire que maintenant, quand on fait un ta'anit, c'est bien donner la tzedaka aussi. Mais à un niveau un peu plus élevé, ça veut dire que maintenant, le salaire qu'on te donne à toi, qui jeûne, une fois que tu as jeûné, tu vas avoir envie de donner la tzedaka. C'est-à-dire que tu ne vas plus être quelqu'un qui prend, tu vas être quelqu'un qui donne. Et les maasés, la tzedaka, c'est le tikkun de l'essab. La tzedaka, c'est la parole des mains. C'est-à-dire, c'est quand les mains se mettent à parler. Quand les mains, tu les as élevées au niveau de la parole, elles ont envie de donner la tzedaka. Alors quelqu'un qui n'a pas envie de donner, c'est parce que son corps, il est tellement fort qu'il lui dit « Prends, 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 allez, fais que prendre. » Mais quelqu'un qui a été marnia, qui a un petit peu fait baisser son corps, il va avoir envie d'aider, il va avoir envie de donner. Parce que ça, c'est la nature de la neshama. La nature de la neshama, c'est de faire du chesed. C'est pas de prendre. Au contraire, il y avait en Espagne, il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Yitzhak Abravanel. C'est un pérouche, vous avez Abravanel. Ouais.
Alors, sur Abisrak Abravanel, lui, il était conseiller du roi d'Espagne. Et une fois, il avait bien sûr des ennemis, etc. Et il y avait un curé là-bas qui toujours lui voulait du mal. Alors, une fois, il a fait du lachonara sur lui, au roi, il a dit, regardez, cet homme-là, il a des grandes richesses, des grandes propriétés et tout, et vous ne savez pas tout ce qu'il fait, etc. Il a une richesse immense. Alors le roi, pour faire taire le curé, parce qu'il avait confiance totale dans ce Ravanel, il lui a demandé au Rav, s'il te plaît, amène-moi une liste de tous tes biens. Amène-moi une liste de tous tes biens. Alors Ravanel lui a amené une liste de ses biens, et quand le roi il a vu ça, il a dit, mais tu ne m'as pas mis tout aussi. Je vois que la plupart de tes biens, tu ne l'as pas mis dans cette liste. Pourquoi tu as triché, etc. Donc le roi s'est mis en colère, il l'a mis en prison. Mais le roi, ça le travaillait, parce qu'il disait, c'est pas possible, cet homme-là, c'est pas possible que... Surtout comme ça, il sait très bien que je vais me rendre compte. Comment il fait quelque chose comme ça, ça le travaillait. Alors il a fait sortir, une fois, il lui a dit, écoute, je ne comprends pas. Tu sais très bien, je t'ai demandé juste par rapport à ceux qui t'accusaient, etc. Je te demande la liste de ce qui t'appartient, tu ne mets pas tout, tu caches tes propriétés, je sais très bien que tu as ça et ça. Alors Abisrak Abravanel lui a dit, vous m'avez demandé de la liste de ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ce que je donnais à la tzedaka, parce que ça, personne ne peut me le prendre. Mais maintenant, le reste, regardez, en un jour, vous m'avez mis en prison, vous pouvez me prendre tout ce que j'ai. Mais ce que j'ai donné, personne ne peut me prendre. Ça, c'est inclus dans l'éternité, et ça, c'est à moi, ma mâche. Donc le vrai kinyan dans le Olam Hazeh, c'est ce qu'on donne, c'est pas ce qu'on prend. Parce qu'on prend, et donc tu vas nous prendre aussi. C'est pas... Même quelqu'un, il a des immeubles, une fois qu'il va se coucher dans son trou, tout ça part. Et quand quelqu'un l'a donné, alors cette chose-là, il a inclus dans la Nitzriout, dans l'éternité. Quelqu'un, des fois, il a un bon gâteau, un truc, et il est avec son copain, un truc et tout, et l'autre, il n'a pas et tout. Si tu prends le gâteau, tu le manges, toi. Qu'est-ce que ça fait? Tu as augmenté un peu ton corps, c'est tout. Mais si tu le donnes à l'autre, le gâteau est rentré dans l'éternité. C'est-à-dire, tu en as fait une siba de chesed. Ça, c'est le tikkun des yadaïm, c'est le tikkun du corps, c'est le tikkun de l'esam. Ça, tu le reçois quand tu es machnia, le bouffe par le ta'anit. Mais le ta'anit, c'est pas obligé de ne pas manger. Chaque fois que tu te retiens de quelque chose, de consommation, n'importe quelle chose, chaque fois que tu retiens de prendre quelque chose, de consommer quelque chose, ça s'appelle interdit. De ne pas regarder quelque chose qu'il ne faut pas regarder. De ne pas dire quelque chose que tu as envie de dire et tu sais que ce n'est pas bien de le dire. Tout ça s'appelle machnia, le corps du gouffre. C'est-à-dire le gouffre, il te dit, fais la chambre, dis ça, ce tout-là. Il dit, moi je ne veux pas dire, moi je dis rien. Donc, je ne veux pas dire. Ça, c'est machnia, le corps. Et ça te donne, ça, c'est mégalé la neshama et tu as envie après de faire du chesed. Voilà, je vous ai fait un petit kitsour un petit peu, parce que on parle un petit peu dans cette chambre. Vous avez des questions, quelque chose? J'ai une question, il y avait quelqu'un d'autre. Si d'un côté Hachem le peuple, lorsqu'on fait la tefila, on dit clairement que c'est l'endroit où il faut qu'on serve Dieu C'est quoi le service? C'est la tefila. Ce service, il apparemment pour Dieu. D'un côté, clairement, ça a beaucoup de sens. Hachem, il nous a très clairement, il nous a pas besoin. Donc, je dis mal à comprendre le concept de. Qu'on est en train de servir pour lui. Et non, aussi, il y a aussi d'un autre point aussi. Nous sommes en train de servir pour lui. Tous les débuts de Shiur, la première partie de Shiur que vous venez de nous citer, c'est plus ou moins, on va faire la prière pour nous. Nous aussi, si on va au prix que l'on est même pas malade, on va même pas devenir malade du tout. Donc, c'est d'un autre côté, clairement, la tirée, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour lui, c'est pas pour lui. Hachem, la première chose qu'il a dit à Abraham, il dit Lech Lecha, va vers toi. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que tout ce que je vais te dire de faire, c'est pour toi, c'est pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ce que tu vas me faire. Tous tes corbanons, tous tes trucs, moi, je n'en ai pas besoin. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Dans tout le sujet de. Souvent, on parle de faire la tzedaka avec Bitou, les chemins, et tout ça. Les chemins, pourquoi? Pour moi. Mais tu es en train de le faire pour toi.
Mais tu le fais pour Hachem et pour toi, parce que ça, c'est le choix que Hachem te dit de choisir. C'est comme tes parents te disent, ils te disent, fais ça. Maintenant, tu vas écouter tes parents. Mais c'est pas pour tes parents que tu le fais. Si tu crois que ce que tu fais, c'est pour tes parents, le jour où tu vas plus être chez tes parents, tu vas plus le faire. Tu comprends? Si maintenant, par exemple, tes parents ils te disent de pas prendre un vélo, tu dis c'est dangereux, ok. Alors tu dis ok, je vous écoute. Mais ça, c'est quand tu n'as pas 18 ans, tu ne dis pas tout seul, le jour où tu vas être tout seul, tu vas prendre un vélo. Mais le jour où tu comprends que ce que tes parents ils te disent de faire, c'est pour toi, c'est pas pour eux. Alors à ce moment-là, ça change complètement. Le jour où tu comprends que la Avodat Hashem, c'est pour toi, c'est pas pour Hashem. Comme je vous ai dit, Hashem, il n'a pas créé le monde pour lui. Hashem, il n'a aucun avantage dans ce monde-là, rien. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Que du chesed, c'est tout. Ça veut dire que du Bitoul et du Rishma, ça n'existe pas. Si, ça existe, bien sûr. Parce que l'Ishma, toi, tu ne peux pas faire du vrai Ishma parce que tu es dans un corps. Jamais tu pourras être dans du vrai Ishma. Les vrais Ishma, ça arrive des tzadikim, des sauvés au comme Moshe Rabbeinu, qui dit Anachnouma. Nous, on est arrivé en bas. C'est-à-dire que c'est des tzadikim qui sont arrivés dans une transparence totale. C'est-à-dire une inclusion dans la chaîne totale. Et même lui, dans sa madriga, il a eu une vision, comme il a frappé le rocher, il s'est énervé contre Israël, il a eu beaucoup de choses, il a eu des épreuves. Même qu'il était dans ce niveau-là. Mais le vrai Ishma, ça veut dire que maintenant, tu as compris que ce que Hachem, il te dit de faire, c'est parce que c'est bien pour toi. Et tu le fais, c'est ça les choses. C'est pas gratuit, tu peux pas parler d'acte gratuit. Je ne fais pas pour lui, c'est pour Hachem. Tu ne pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin de toi. Hachem n'a pas besoin de toi. Hachem n'a pas besoin de tes compagnons. Pourquoi est-ce qu'il nous a créé, il nous a pas besoin de lui Mais tu crois qu'il a créé des ramorim pour les exploiter. I'm late, I'm gonna ask you more. No, but I'm taking advantage of it. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Hachem, il ne va pas grandir si tu l'écoutes. Si tu mets les tefillines, Hachem, tu ne vas pas lui ajouter quelque chose à lui. Tu vas rien t'ajouter à toi, à lui. Seulement Hachem, il t'a dit, regarde, j'ai créé un monde, et voilà, je te donne le mode de vie le mieux pour toi. Si tu veux, tu veux, tu fais, tu veux, tu ne tu fais pas. Et quand on dit l'Ishma, ça veut dire que maintenant, je fais pas pour la partie d'Hachem qui se trouve en moi. C'est-à-dire, quand tu dis Hachem, c'est pas ta étiqueta. Hachem ouvre ma bouche. Ou Piyagid, Teila Techa, c'est-à-dire ta Teila à toi. C'est-à-dire, je te prête ma bouche pour que tu pries dans ma bouche. C'est pas moi. Moi, c'est ma Neshama, c'est quoi? Et ta Neshama, c'est quoi? C'est Hachem, c'est pas toi. C'est quoi, c'est le basou, le basou. On va toujours utiliser la Torah, parce que ceux qui ne font pas les chemins, viennent à être les chemins. C'est quoi la différence entre le premier l'Ishma et le deuxième l'Ishma? Donc le long l'Ishma, ça veut dire que maintenant tu veux utiliser les moyens qui t'ont été donnés pour développer ton corps. D'accord? Donc disons que je vais étudier la Torah, c'est quoi la différence? Mais voilà, pourquoi tu étudies la Torah? Tu étudies la Torah pourquoi? Pour devenir quelqu'un de plus grand, plus intelligent, plus truc. Alors ça c'est l'Ishma. Ça veut dire que maintenant tu as utilisé la Torah. Quand quelqu'un il va apprendre la médecine ou n'importe quoi, pour avoir un métier, c'est tout. Maintenant, tu as un métier, la Torah, tu vas devenir rabbin ou n'importe quoi. Ça ne va pas te rapporter d'argent. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'élever. L'Ishma, ça veut dire que maintenant, tu dis pour le Shem Hashem. Et le Shem Hashem, ça veut dire qu'il y a une Neshama en toi. Cette Neshama, c'est une partie d'Hashem. Hashem, il dit, si tu prends le Zohar Mishpatim, Hashem, il te dit, regarde, quand je vais te donner, si jamais tu prends une Ama, une servante, L'otetse ketseta abadim. Après, il ne la fait pas sortir comme disait comme une esclave, que tu la jettes dehors, etc. Alors, Zohar, il te dit, qu'est-ce que c'est cette servante? C'est la Neshama. Hachem, il te dit, regarde, je t'ai donné une Neshama, c'est une partie de moi. Traite-la bien, ne la salis pas. Quand tu vas la faire sortir, quand tu vas me la ramener, et ramène-la à moi propre, comme je te l'ai donné. Ne la salis pas dans ce monde. Mais la partie qui est en nous, qui prie, qui vit, qui étudie la Torah, c'est une partie d'Hachem. C'est ça, nous. Ani, c'est quoi, Ani? Ani, c'est ma Neshama, c'est pas mon corps. Tu comprends? Ani, c'est moi, je suis une partie d'Hachem. Toi, tu es une partie d'Hachem. Chaque juif, c'est une partie de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes dans l'âme d'Israël. Chaque lettre de la Torah, c'est une Neshama de quelqu'un. Quand tu dis Neshama, c'est-à-dire par rapport à ta Neshama qui s'inclut dans Hachem. C'est ça, toi.
C'est quoi toi? C'est pas le corps, c'est pas les forces physiques, c'est pas l'intelligence du cerveau, c'est pas ça toi. Toi, c'est le relais d'Hachem qui est en toi, c'est ça toi. Et ce relais d'Hachem qui est en toi, il faut que tu le mettes en contact avec Hachem en permanence. Parce qu'il n'est pas à toi. Tout ça, c'est un picadon. C'est pas à toi. Ta neshama ne t'appartient pas. Même ton corps ne t'appartient pas. Parce que Hachem, il te prête pour faire ce que tu vas faire. Mais même ta neshama, il n'y a pas moi. La notion de moi, ça n'existe pas dans le judaïsme. Nous, on s'inclut toujours dans quelque chose. Mon cher Rabbeinu, il a inclué toutes les neshamot du Ham Israël. C'est pour ça qu'il pouvait te parler. Mais quand tu dis neshama, ça ne veut pas dire que tu donnes quelque chose. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais. Hachem, il dit, qui est-ce qui m'a mis la mezouza que je ne lui ai pas fait une maison? Toi, tu mets la mezouza, tu dis, regarde Hachem, je t'ai mis la mezouza. Tu m'as mis la mezouza. La maison entière, c'est moi qui t'ai donné. Je t'ai mis la mezouza. Si tu m'as mis, si je ne te donne pas de maison, tu vas me mettre la mezouza. Qu'est-ce que tu dis, je t'ai mis la mezouza. Fais ce que je te dis de faire, c'est tout, le simra, c'est tout. Ne viens pas me dire, voilà, je t'ai fait. On n'a rien fait du tout, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Maintenant, tu arrives à prier, tu arrives à étudier, tu arrives à réussir, qu'est-ce qui te donne ça? C'est un neshama. C'est pas toi. Toi, c'est toi, la notion de toi, indépendance, n'existe pas. C'est ça le rêve d'Adam Arishon. C'est là ça le serpent qu'il a acquis. Le serpent, il a voulu amener Adam Arishon à ça. C'est-à-dire à vivre comme un homme qui peut manipuler la compréhension et créer des choses à partir de sa compréhension. Et ça, c'est faux. Hachem lui a dit, le jour où tu vas faire ça, tu vas mourir. Tu n'auras plus de vie parce que tu ne seras plus en contact avec moi. Tout celui qui veut vivre indépendamment d'Hachem, qui croit que lui va se débrouiller dans ce monde, qui va faire des choses, etc. Mais les maîtres, c'est un ben Adam, il est mort, il n'est pas vivant. Même s'il réussit, ça ne s'appelle pas une réussite. Qu'est-ce qui s'appelle une réussite? C'est une réussite éternelle, c'est ça qui s'appelle réussite. Quelqu'un a réussi, il est malin, il a fait des choses, etc. avec sa tête. C'est pas, ça ne s'appelle pas qu'il a réussi. Ce qu'il appelle réussir, c'est être sahaïm, c'est-à-dire d'être en contact avec Hachem. Ta neshama, elle doit être en contact avec Hachem. Quand on dit étudier l'ishma, par rapport au mot l'ishma, c'est que l'ishma, il est fait pour développer le corps. Et l'ishma, c'est fait pour développer l'âme. Et ne crois pas que tu donnes quelque chose à Hachem. Il est écrit, tel lo michelo, qui est atar vishelcha shelo. Donne-lui ce qui lui appartient, on dit pour la tzedaka. Il dit, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi et tout ce que tu as à toi, c'est à lui. Tu vois? Donc maintenant, quand tu donnes la tzedaka, tu as donné quelque chose qui est à toi, tu as fait quelque chose de... Qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné à lui, tu as donné 1000, tu lui as dit, bon, allez, je te rends 100, je te rends 200. Mais c'est qu'est-ce que tu lui as donné? C'est lui qui t'a donné l'idée. Avec toi, tu as donné la tzedaka. Avec son argent à lui. La Mishnah te dit, donne-lui ce qui est à lui. Parce que ton entier et tout ce qui t'appartient, c'est à lui. Tu comprends? Alors, c'est pas l'Ishma, c'est les Bishvili. Hein? C'est l'Ishma, c'est Bishvili. Bishvili? Mais lui, c'est un Neshama. Bishvili, c'est un Avoda? C'est un Neshama chez lui. Bishvili, moi, c'est ma Neshama. C'est Hachem. C'est une partie d'Hachem que j'ai en moi, que je dois développer. C'est comme quelqu'un, il vient et te crie l'entreprise. Il te met tout ce qu'il faut, il te donne l'argent, il te dit tout, il dit voilà, tu vas travailler maintenant. Tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Prends-le. J'ai une question. Si Hachem, il nous a créés, je suis en train de penser tout le temps à la question. Là, je dois venir. Parti. J'aimerais revenir. On a été faire une marche. Je sais ce qu'il va me dire quand t'es suivant. Mais t'as pourri, c'était il y a 7 ans. Du chrétien. Je suis venu deux fois. Je suis avec moi. Quand on était pourri ensemble, ça marche. Ouais. Si Hachem nous a créé, notre création c'est du chrétien. C'est un chrétien qui nous a fait, moi. Pourquoi est-ce qu'il aurait donné un chesed à une création qui n'existait même pas? C'est-à-dire? On n'existait pas avant. Ouais. Avant, on n'était même pas une. On était rien. On n'existait pas. Il voulait donner une chesed à quelque chose qui n'existait pas. Il a créé pour pouvoir faire le chesed. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a créé pour pouvoir faire parce qu'il veut faire une création qui... Mais à qui il va faire du chesed? Il ne crée pas quelqu'un. À qui il va faire? À lui, il ne peut pas se faire du chesed. Non, je sais, mais...
You will be fine. Ça dépend ce que vous venez de dire. Okay, fine. Well, yes, just take care of your companions. Vous avez quelque chose. It's not here now. But me and the Si maintenant il veut quelque chose et que c'est un besoin pour lui, mais c'est pas un besoin, c'est un besoin. Hachem il peut ramener le monde dans le Ensof à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin, ça n'a rien à jouer avec. Il faut ce qu'il fait, ça veut dire ça, c'est que tu changes. Aujourd'hui il veut ça, demain il veut ça. Sa volonté elle change. Et on dit qu'il y a, je sais pas, je sais qu'il y a un pastou, quelque chose de style, qui dit qu'il change pas. Hachem il change pas. Hachem ne change pas. Hachem il a donné ce qu'il a donné, il n'a jamais changé. Ce qu'il a demandé, il n'a jamais changé. Le Rabbi Maharaj de Chabad, il dit exactement, pour répondre à ça, il dit il a dit tout ce qu'on a dit, après il a dit. Hachem il a voulu donner. Et sur un, et je ne sais pas comment dire, j'ai dit et sur une volonté, alors, on ne pose pas de questions. Pas de question. Hachem il veut que ça. Sur une volonté, pas. Tu ne poses pas de Hachem il a voulu donner. Maintenant que lui il veut, ça ne veut pas dire ça. Que tu veux donner. Oui, non. Mais ça n'entraîne pas une couche chez Hachem. Tu vois quoi, ça veut dire qu'il a acheté ça. Il est sur ça. Justement, c'est ça qui est. There's a limit how much I can share. But there's no limit how much I can share. Explain that. Oh,
Not each one of you can get into that. Qu'est-ce que ça change si on fait à travers la Tfila, la Torah? Regarde Israël maintenant. Look at the books. I wrote the books, I read those books first and then come back to the Tfila. Le Dibourg, c'est quelque chose qui s'adresse directement à Hachem. Quand tu étudies la Torah, tu peux étudier la Torah, elle vient sur un tel fou. Tu peux dans la Torah comprendre des choses. Et tu peux oublier ce qu'a cheminé. Quand tu parles, tu es en train de parler. Tu ne peux pas sortir. C'est le niveau de l'information le plus élevé. Alors, on a tort aussi quand tu dis des choses. Et tu te dis, je dois te dire, I decided 100 shekels for the one who wakes up. Waking me and show up. Yeah. If was the first one up, and then he's to get one. No, he's not gonna sleep. We asked about you maybe 10 times. He didn't ask. He's right.
maybe Ben asked, maybe asked Shlomo, I don't know, but we were all asking for you. I felt bad. You guys care about me? That you don't I care about me? Yes. Yes. I know it's weird, but we care about you. I called the hotel three times, so they answered. Yes. Yeah. And I also called, and Shlomo Saba called. And you, the kid, s'en fout, you don't even call us to say, I'm okay, I'm in the hotel. No, seriously, you're not ready to be a father. You can't be a father like that. You want to get married. Why? What do you do with your son? I'm ready. Tonight I follow you, I don't care. I want to talk to you. Merci beaucoup, Rabbi Frère. Merci beaucoup, Rabbi Frère. Je n'ai pas préparé à manger tout parce que. Non, we're going to eat now. Je vais manger ta mal, mais comme ça.